Le Devimeland. Devimelp. Le quoi? Durable comme. C'est quoi le développement durable? Ouais, c'est ça la question. Le développement durable, c'est quelque chose de très important pour notre société. Quand les ressources naturelles diminuent, il est urgent de penser au développement durable. Le développement durable, c'est d'être capable de penser au futur immédiat et lointain sans détruire la nature. Le futur est en nos mains. Et si on gaspille et on ne recycle pas, cela aura une grande conséquence à notre futur dans quelques années et ça serait terrible. Le développement durable est un mode de vie qui nous permet de développer sans détruire la planète. On a des leçons sur ce sujet en anglais, histoire géo. On a un jardin qui nous permet de manger des choses. Pour moi, c'est une société qui peut se supporter sans produits trop chimiques. Plus que jamais, il faut s'unir pour faire passer le message. Justement, à IEB existe désormais le Green Council, le cœur de notre collège. C'est une association d'élèves volontaires, à trois missions en fait. Donc, la première, c'est d'informer. Donc, on informe les élèves sur les actions qu'on peut faire pour l'écologie au quotidien. Donc on fait quelque chose qu'on appelle Waste Free Lunch ou le déjeuner sans déchets. On les informe sur le compost, le recyclage. On forme les élèves, donc les élèves de l'école primaire, on va leur parler de ce qu'on fait ici. La troisième et dernière mission, c'est de porter un regard sur le développement durable, donc en émettant des critiques, en faisant des suggestions et surtout en sensibilisant les élèves du collège sur comment recycler. Dans le monde, c'est avec les jeunes qu'il faut commencer. Pour moi, ça fait partie de l'éducation. Les petits gestes faits par beaucoup de personnes finissent par faire une grande différence. À IEB, le développement durable est une volonté collective. Un déjeuner sans déchets, c'est n'avoir que des choses recyclables et compostables. Un déjeuner sans déchets, c'est déclarer la guerre contre le plastique. Voici une élève avec sa boîte à déjeuner. Donc tous les vendredis, on essaie d'avoir le moins de déchets possible. Mais moi, tous les jours, j'ai ma bouteille d'eau réutilisable, thermos, recouvert dans une serviette en tissu réutilisable. Et pour mon dessert, j'ai un fruit et un yaourt. Ils sont tous les deux dans un pot de confiture qu'on a réutilisé. Je pense que c'est bien parce qu'il y a moins de déchets et plus de compost. C'est mieux pour l'environnement. Parce que, en fait, comme ça, les personnes ne vont pas gâcher la nourriture. Une autre action, coup de pouce, prendre quand on le peut son vélo pour aller à l'école. Aller à l'école et sinon je prends souvent le vélo. Oui, pour certaines choses. Lorsque les enfants, au lieu d'imprimer, remettent les travaux de manière électronique. Le mauvais côté des choses, c'est que souvent on a tendance à imprimer. Alors je voudrais vous montrer quelque chose. Ça, c'est notre imprimante et elle a tendance à beaucoup marcher. Et malheureusement aussi
a beaucoup marché pour rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les enfants essayent d'imprimer le moins possible, que les professeurs demandent le moins possible de papier. J'aimerais beaucoup qu'on fasse des journées comme pas d'imprimante du tout pendant une journée. Ça serait assez rigolo de voir si on peut survivre dans notre monde sans imprimer. Et je pense que c'est tout à fait faisable avec les ordinateurs. Au quotidien, le recyclage, l'écologie sont pour nous une priorité. Sauver la terre, l'épée de sel, arrête-toi, arrête-toi. Travaille sans arrêt à améliorer les choses vertes, de éliminer du gâchis et d'essayer d'aider la planète. Le plus grand succès qu'on a eu, c'était l'année dernière, changer les pissotières. D'une manière qu'il n'y a pas de chasse d'eau. On n'utilise pas d'eau, c'est des pissotières sans eau. Produit australien d'ailleurs, qui s'appelle Eco Blue Cubes, qui sont des cubes qui se mettent dans les pissotières, qui ont des enzymes, je crois que ça se dit, des enzymes bactériologiques qui non seulement bouffent l'odeur, mais qui protègent les tuyaux. Un bon moment, on avait des distributeurs d'eau qui avaient des grosses bouteilles d'eau dessus. Il y avait des délivraisons d'eau, c'était dans des grosses bouteilles en plastique. Et maintenant, on a éliminé tout ça, on les a mis directement qu'on a l'eau de la ville de Berkeley qui est très bon. Ben, vous vous demandez ben, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. En fait, on va faire une grille. Au lieu d'utiliser des métaux et trucs comme ça, qu'on a acheté, on peut juste réutiliser les choses qu'on n'a plus besoin. Si vous regardez très très bien, il y a des bêtes, c'est de la vie là-dedans. Les plantes viennent d'un horticulteur qui s'appelle Magic Gardens, donc le jardin magique, qui vient de fermer ses portes. Et ensuite, ils l'ont donné à des associations à but non lucratif. Alors nous sommes une école et nous avons obtenu toutes ces plantes. Il y a que chaque enfant aurait un petit godet dans lequel on mettrait de la terre, quelques graines à faire pousser de façon à ce qu'ils puissent emmener à la maison un godet avec quelque chose de vert pour la journée de la terre. C'est fait tout seul de toute manière. Moi, j'ai pas grand chose à mettre et puis il y a plein de vers de terre tout en bas, d'organismes qui vont faire le recyclage pour moi. Et je peux le remplir à chaque fois jusqu'en haut. Une semaine après, il a descendu de ça. Maintenant, on va vous montrer le jardin. Et dans le jardin, il n'y a pas que des plantes, mais plein de petits animaux, comme l'escargot. Bonjour, nous sommes la classe de 4e de l'école générale de Berkeley. On est en train de faire un service d'aide à l'environnement pour aider les gens, pour aider les escargots. On est essentiellement en train de guider les procédés d'évacuation d'eau. Si jamais ils sont bloqués, l'eau déborde et avec l'érosion, ville en pierre, ils détruisent prématurément. C'est pas la chose la plus intéressante à faire, mais c'est bien comme de servir la communauté et d'être utile, de faire quelque chose qui va vraiment faire une différence. C'est pas dur, c'est mieux que de faire des maths. Avec l'école des valeurs, 4 valeurs sociales. Confiance, respect, entraide et je pense responsabilité. Mon travail, c'est d'aider les enfants à se souvenir de ces valeurs et de les appliquer au sein de l'école, mais aussi de les appliquer à l'extérieur de l'école. Il y a eu une énorme catastrophe qui s'est passée au Japon et les enfants du conseil des étudiants ont décidé de vouloir donner un coup de pouce au Japon. En fait, toute l'école s'y est mise, et les enseignants, et les enfants, et les parents ont aidé à préparer des petites sucreries et des petits gâteaux. Nous avons pu faire 4 360 $ que nous avons envoyés à la Croix-Rouge pour le Japon.
presque 10 ans que j'y participe. Avant, on faisait simplement les food drives ou on leur demandait de l'argent. Et je pensais que de faire quelque chose, ça montrerait aux élèves où va cette nourriture. Avec la food bank, on y va une fois par mois. On trie de la nourriture fraîche, surtout des fruits et des légumes, qui sont donnés par des producteurs ou qui viennent, ou des achats qui sont faits auprès des grands centres gérés par l'État. Les bonnes intentions, les vœux pieux et les veillées aux chandelles ne vont pas soulager la faim. Mais la nourriture, oui. AEB pour être bio, eh bien, on fait des petits gestes au quotidien.